La danse ouvre et clôt le festival de Royaumont cette année. Rendez-vous d'abord avec le chorégraphe Hervé Robe. Il revisite l'une de ses pièces maîtresses, Factory. Une expérience immersive, aussi bien pour le public que pour les danseurs, qui évolue au milieu des sculptures de Richard Deacon. Une démarche entièrement novatrice il y a 30 ans. Et aujourd'hui, Hervé Robe propose un remix de cette création Factory. 10 jeunes danseurs se réapproprient de fond en comble cet espace de jeu. De nouvelles figures de la danse contemporaine sont présentes à Royaumont, à commencer par la chorégraphe Leila K, qui propose « C'est toi qu'on adore », une création infusée par la danse urbaine, percutante, tellurique, conçue pour un duo. Et puis c'est l'envol pour le jeune public, une danse qui prend de la hauteur, s'échappe au pays de l'imaginaire dans le sillage de Peter Pan. Un voyage proposé par deux jeunes danseuses et chorégraphes, Alice Lambert et Lucille Palazzo, à l'esprit enfantin et espiègle. La pulsation rythmique porte la création de Tom Grandmourcel, tout ce qui, dans les musiques électroniques, le hip-hop, la techno, la jungle, donne envie de danser, d'accélérer, de ralentir, de se répéter. Tom Grandmourcel se livre en solo dans Solis Break. Enfin, le chorégraphe Alban Richard fait flamboyer tous les arts, danse et poésie, musique du XVIIe siècle et New Wave, viol de gambe, beatbox, synthétiseur, chant baroque et Sprechgesang, dans une création centrée sur une composition de la Renaissance anglaise signée William Byrd, Come Kiss Me Now. Royaumont vous donne 5 rendez-vous avec la danse. Alors, venez !